La rue, c'est la vie, c'est la base. Nous sommes en guerre. Confiné. Ça y est, c'est confirmé. On est tous confinés, mais assis au soleil, je survis trop bien. Sirotant des gels antimicrobiens. Fini les brochettes de pangolins. J'ai plus le droit de côtoyer mes contemporains. Serrons-nous les coudes et lavons-nous les mains. Butinons loin des foules au nom de tous les saints. Chacun sa yourte, chacun son terrain. Pas d'accolade à ton voisin. Donc, nul besoin de changer mes habitudes. Je peux rester cloîtré de moi sans lassitude. J'ai pas attendu le coronavirus pour sucer des bonbons à l'eucalyptus. J'ai plus de dragibus, c'est la pénurie. Mais soyons décents, je fais pas partie des plus démunis. Dans mon journal intime, je me réfugie. Je suis pas Anne Frank, moi j'ai la chance de pouvoir faire du bruit. Faut rester digne, civique et solidaire. Le temps s'est arrêté, c'est extraordinaire. En cette période où s'attrouper est mortifère, ce sera conversation groupée ou plaisir solitaire. Je médite en slip comme un yogi avant de sortir chasser des pâtes et des gnocchis. J'irais bien faire un jogging sous ma combi, mais je dois occuper mes mioches qui m'assaillent comme des zombies. Je suis un bon papa, mais j'ai pas le bafa. Envoyez-moi 2-3 tutos de Krav Maga. Mais je vais pas les taper, gars, je suis pas fada. J'ai juste envie de weed et de pastaga. Je dois rester rationnel et me rationner. J'écris comme Jack Torrance, je suis passionné. Je préfère me planquer qu'errer dehors le bec enfariné. Mieux vaut se planter que voir la pandémie s'enraciner. Tu me trouves pas sympa? Je m'en fiche, je fais les 100 pas en pige. J'aurais connu la quarantaine avant mes 40 piges. Force au personnel hospitalier qui tente de sauver des vies pendant qu'on remplace le PQ par des feuilles de laitue flétrie. Bonne nouvelle, l'ennui rend créatif. Une pensée pour ceux dont les enfants sont hyperactifs. Et tant pis si c'est certains me disent opportuniste, j'essaye d'éviter de déprimer avant la mort subite. Restez confinés. Restez confinés.